L'essor du trafic aérien a vu naître au début des années 2000 une forte prise de conscience de tous les acteurs du secteur aéronautique pour réduire le bruit des avions autour des aéroports et limiter la pollution atmosphérique émise par les avions en altitude. Réduire l'impact environnemental de la navigation aérienne, tel est le second axe stratégique que s'est fixé la DSNA après la sécurité des vols. En dessous de 2000 mètres d'altitude, la priorité de la DSNA est de réduire les nuisances sonores. La DSNA porte ses efforts sur l'amélioration des procédures de circulation aérienne pour éviter le survol des communes à basse altitude. Ces études sont souvent lourdes à réaliser car elles modifient des équilibres opérationnels complexes. France 221 Québec, poursuivez le roulage. En train de travailler sur un changement de procédure à Marseille. Changement de procédure qui est justifié d'une part par des problèmes de sécurité, parce qu'on améliore la sécurité dans ce cas de nouvelles procédures. Et également, on essaie d'avoir un moindre impact sonore sur la commune de Martigues. Nous arrivons maintenant à affiner les trajectoires pour éviter les zones les plus urbanisées. Et c'est vrai qu'on arrive à des gains significatifs. On peut diminuer par 10 ou par 20 le nombre de populations impactées pour une procédure, grâce à ces études. La DSNA peut être amenée à effectuer des campagnes de mesure de bruit pour vérifier les bénéfices attendus de toute modification. La mise en œuvre de toute nouvelle procédure de circulation aérienne s'accompagne d'une large concertation avec toutes les parties intéressées, notamment les associations de riverains. Pour les grands aéroports, la DSNA doit soumettre ses travaux pour avis à l'Autorité indépendante de contrôle des nuisances aéroportuaires, la CNUSA, un cas unique en Europe pour un prestataire de services de navigation aérienne. La DSNA a également mis en place des approches en descente continue. Cette technique de vol permet aux équipages d'éviter les paliers trop longs et de réduire la puissance des moteurs. L'approche en descente continue est donc moins bruyante et plus économique. Un indicateur évalue le nombre d'approches réalisées en descente continue, de nos jours très largement utilisées. Sur les principaux aéroports, des solutions spécifiques sont recherchées pour minorer l'impact environnemental de la circulation aérienne. L'aéroport de Bordeaux dispose d'une charte du développement durable. Le SNA Sud-Ouest en est un des signataires. Et dans ce cadre-là, nous intervenons sur deux actions essentielles, la qualité de l'air et la réduction des nuisances sonores. Cette politique de respect de l'environnement s'applique également à l'aviation légère. Ainsi, pour aider les pilotes de vol à vue à éviter le survol des communes, la DSNA publie pour chaque terrain contrôlé, comme ici à Toulouse-Lasbordes, des cartes aéronautiques très précises. D'après l'OACI, le transport aérien est responsable de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire les émissions gazeuses en altitude, la DSNA participe aux travaux européens de réorganisation de l'espace aérien visant à raccourcir les routes aériennes. Cette meilleure organisation des flux de trafic se fait bien sûr en coordination étroite avec tous nos partenaires civils et militaires, nationaux et européens. C'est ainsi qu'au sein de l'espace aérien supérieur du FABEC se met en place progressivement un nouveau concept de réseau de routes aériennes appelé Free Route. Dans cet espace contrôlé, la compagnie aérienne a la possibilité de planifier des routes plus directes permettant de diminuer l'emport carburant. D'autres études visent à améliorer les profils de vol dans toutes les phases du vol. C'est ainsi que sur la liaison Toulouse-Paris, l'une des plus fréquentées en Europe, des vols commerciaux de la navette Air France ont expérimenté un profil de vol optimisé. Montée continue sans palier, niveau de vol adapté aux performances de l'avion, en coordination très étroite avec les organismes de contrôle militaire, et arrivée à Orly en descente continue. Au final, une tonne de CO2 a pu être économisée par trajet. L'environnement prend de plus en plus de place dans notre métier. On prend de plus en plus en compte les riverains des aéroports. En région parisienne, on est dans un environnement fortement urbanisé. Et donc, il y a des communes importantes dont il faut éviter le survol. Cette culture environnementale du contrôle aérien se façonne dès la formation initiale à l'École nationale de l'aviation civile, où les élèves contrôleurs y sont sensibilisés par des cours théoriques et des exercices de simulation pratique. En matière d'environnement, la DSNA attache une attention particulière à sa communication. Elle a pris le parti d'informer les élus
les associations de riverains, le grand public, en toute transparence. Sur Internet, des informations pratiques sont disponibles, en particulier pour les principaux terrains suivis par l'ACNUSA. La DSNA offre la possibilité de visualiser les trajectoires de vol des communes survolées à partir de journées caractéristiques. À Roissy et à Orly, Aéroports de Paris dispose de maisons de l'environnement et du développement durable. Deux fois par semaine, des anciens contrôleurs aériens, forts de leur expérience, répondent aux attentes des visiteurs et leur expliquent les procédures de circulation aérienne desservant ces aéroports. Des outils pédagogiques développés par la DSNA viennent enrichir les connaissances du public. En tant qu'ancien contrôleur, je viens expliquer à des riverains ou des gens qui veulent s'informer sur les processus de circulation aérienne dans la région parisienne. Les gens, je dirais, sont très très sensibles quand on peut leur rapporter, je dirais, un outil, je dirais, qui est incontestable, peut-être tel que l'enregistrement d'une journée de trafic.